Je vais en chambre d'homme maintenant. Il n'y a aucune fausse, aucun appel, aucune transaction. J'ai perdu ça. Et Lydia se place dehors pour dire comment je lui dois 11 millions. 11 millions sur quelle part? 11 millions de quoi qu'elle m'a pris. 11 millions. Elle me met les voix, les 11 millions là. Elle me met les voix. Vraiment. Oh. Non, non, mais ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on relaie. Ça ne peut pas rester comme ça, là. Ça ne peut même pas un peu rester comme ça, là. Il va falloir qu'on en parle. Parce que... Méchant. Je ne sais pas que comment quelqu'un peut être aussi méchant et cupide. Elle est seulement un but de cette personne. Pour elle, dans sa tête, c'est qu'elle est tout. Elle est tout. Elle est, en même temps, elle est Dieu. Elle est le président de la République. Personne ne peut rien lui faire. Donc, elle se permet de faire... Non, non, non. Ce n'est pas dans ce monde-ci, là. Ce n'est pas dans ce monde-ci. C'est dans un autre monde. C'est pas dans ce monde-ci là. Elle ira faire ça ailleurs, mais pas ici. Ça fait avec ton téléphone. C'est toi qui les a balancés forcément. Effectivement. Mais qu'est-ce que cette fille me veut? Parce qu'on a parce qu'il y a pas de me lâche les baskets. Qu'elle me laisse tranquille. Je suis fatiguée. J'ai dit que je ne veux plus. J'en ai marre. À un moment donné, il faut ranger la vie. Chacun doit ranger sa vie. Non, mais il va falloir que justice soit faite parce que les choses qui se passent dans l'intimité, une personne consciente comme elle, sachant aussi le. C'est ça en fait. Elle a pensé à ça, elle a pensé à mes futurs enfants, elle a pensé d'être mon futur mari, elle a pensé à ça. C'est méchant, hein. C'est méchant. C'est méchant, vraiment. De quoi, de rien du tout, c'est quoi ça? Oh, vraiment, c'est pas gentil. Hein. Parce que ta soeur m'a dit là. Je suis entrée dans une dépression. Franchement, si j'avais pas mes amis et ma famille là, c'est que je sais pas. C'est que peut-être je me suis pendue ou bien je me suis suicidée un jour. Je te jure, c'est pas possible. C'est ce degré de méchanceté là. C'est pas... Non. Hey, tu oublies, il faut préciser que ton père t'a réveillé. Il faut dire la vérité. Hein. On a eu une réunion familiale ce samedi. Mm-hmm. Ce samedi, mes tantes et mon papa. Mon père m'a appelé, il m'a dit que franchement, tu me fais honte. Je n'ai pas le choix. Mieux je mets ton petit frère. Il m'a déshérité, il m'a régné, il m'a bloqué de partout. Il faut qu'on m'appelle de partout. J'ai des problèmes avec mon petit ami. Comment un homme peut voir la vidéo de sa copine comme ça dehors? J'ai des problèmes avec mon petit ami. On ne sait pas. On dit ça. Mon père vient de mourir et à cause de cette vidéo, il n'est pas venu pour voir ses petits frères parce que le père de ses petits frères refuse. Oui. Donc, en gros, toute la vie de Khalifa est foutue comme ça. Hein. Toute